Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la grâce, écrit par Ellen White. Dieu n'est pas responsable de nos chutes. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Jude 1, verset 24. Dans les derniers temps, quand l'iniquité abondera et que l'amour d'un grand nombre se refroidira, Dieu aura un peuple qui glorifiera son nom et blâmera l'injustice. Il doit être un peuple à part, fidèle à la loi de Dieu, tandis que le monde cherchera à annuler ses préceptes. Lorsque la puissance transformatrice de Dieu agira par le moyen de ses serviteurs, les armées des ténèbres déploieront une résistance amère et résolue. À partir du moment où nous déciderons de servir le Dieu des cieux, jusqu'à ce que nous soyons délivrés de ce monde mauvais, un conflit permanent s'établira. Cette guerre est sans répit. Notre travail est un combat. En tant que fidèles soldats de Jésus, nous devons porter la bannière tachée de sang jusqu'au cœur de la forteresse de l'ennemi. Si nous en venons à jeter nos armes et à baisser la bannière ensanglantée pour devenir esclaves et serviteurs de Satan, nous pourrons être délivrés des conflits et des souffrances. Mais cette paix nous fera perdre le Christ et les cieux. Nous ne saurions accepter cela à un tel prix. Poursuivons la guerre jusqu'à la fin de l'histoire terrestre plutôt que de trouver la paix dans l'apostasie et le péché. L'œuvre de l'apostasie commence par quelques secrètes révoltes du cœur contre les exigences de la loi de Dieu. Nous nourrissons et chérissons des désirs impurs, des ambitions illégitimes. L'incrédulité et les ténèbres séparent l'âme de Dieu. Si nous ne surmontons pas ces maux, ils auront raison de nous. Si nous nous complaisons dans l'orgueil spirituel, les désirs non sanctifiés, les pensées mauvaises et tout ce qui nous sépare d'une communion intime et sacrée avec Jésus, notre âme sera en danger. Nous devons combattre le bon combat de la foi si nous voulons saisir la vie éternelle. Nous sommes gardés par la foi pour le salut. Si l'idée de l'apostasie vous est odieuse, alors ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien et croyez en celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Prions ensemble en ce matin. Humblement à tes pieds, Père, nous venons te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta paix, ta patience, les bontés, bénédictions que tu déverses sur nous à chaque instant. Oui, Père, en ce matin, nous venons à tes pieds. Et nous te disons merci parce que tu nous rappelles que tu n'es pas responsable de nos chutes. C'est toi qui nous relèves, c'est toi qui nous empêche de tomber, c'est toi qui nous soutiens par ta grâce, c'est toi qui combats, Père éternel, à notre place la plupart du temps. Et nous ne voulons pas nous complaire en nous-mêmes, nous ne voulons pas, Père éternel, nous appuyer sur nos propres forces, mais nous désirons être sanctifiés par toi. Nous souhaitons, Père éternel, que tu viennes malléer nos esprits, nos pensées, et que, Père éternel, nous puissions avoir cette vie sanctifiée en ton Fils Jésus-Christ. Merci encore pour tes promesses envers nous. Nous voulons persévérer en toi, que ton nom continue à être glorifié dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée. N'oublions pas, c'est Dieu qui nous préserve de toute chute. Thank you.